Erev Tov Mevorach, Pershut Moreh Verabotai, Bestiyata Dishmaya. Ce soir, on a une question de Choshen Mishpat. Je sais que vous aimez le Choshen Mishpat, le quatrième passage dans le Shulchan Aruch, qui est concernant Odayanim. Odayanim, dans le Betadim, les juges, l'âme Israël, Shofetim et Shoterim, ils ont le Halachot Choshen Mishpat. Et donc, on a beaucoup de Halachot qui concerne ces trois halakim qui sont très lourds. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet de Choshen Mishpat qui est très important et qui est très intéressant. Il y a quelque chose qui s'appelle en hébreu la Hotza'a la Poal. La Hotza'a la Poal. Alors j'ai appelé tout à l'heure mon père pour lui demander comment on dit ça en français. J'ai déjà oublié. C'est l'huissier de justice. Les huissiers de justice. La Hotza'a la Poal. C'est quoi la Hotza'a la Poal? Quelqu'un, il a des dettes, que ce soit envers les gens ou envers les banques, et il est en découvert. Ça veut dire que son compte, il est déjà en minus, et maintenant on commence à se faire du souci pour l'argent. Il faut qu'on récupère notre argent, la date a expiré, et donc maintenant il faut passer à l'acte. Alors, il y a une mahlaka, c'est-à-dire un service. Dans chaque état, c'est les huissiers de justice. C'est-à-dire, c'est un service qui va chez la personne qui doit de l'argent, qui n'a pas de quoi payer, et ils vont prendre ou bien des maisons, ou bien des meubles, ou bien toutes sortes de choses. Ça peut être des habits, ça peut être n'importe quoi. Et ils viennent et ils prennent ces choses-là. Qu'est-ce qu'ils font avec? Il y a des ventes aux enchères. Des ventes aux enchères, Mechira Pumbit. Et ils vont vendre ces biens ou ces meubles, etc. Avec l'argent, ils vont couvrir les dettes, payer ceux à qui ils doivent de l'argent. Tout le monde connaît ce que c'est Hotza'a la Poal. La question, elle est comment, selon la halakha, dans le Choshen Mishpat, comment on peut se servir? Est-ce qu'on a le droit de se servir de Hotza'a la Poal? Baruch haba. Est-ce qu'on a le droit de se servir de cette Hotza'a la Poal? Est-ce qu'on peut acheter dans une vente aux enchères où ils vendent des choses parce que c'est pas du tout cher? Parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent le vendre le plus rapidement possible. Donc même, il y en a, ils attendent de voir s'il y a un appartement de Hotza'a la Poal, une maison de Hotza'a la Poal. Ils savent qu'ils vont gagner de l'argent. Alors ils cherchent, ils achètent, ou bien des ventes aux enchères. Ils arrivent avec des lots extraordinaires pour rien du tout, vraiment une blague. Ils ont acheté. Alors est-ce qu'on a le droit d'acheter de Hotza'a la Poal? Et est-ce qu'on a le droit de se servir de Hotza'a la Poal? Quelqu'un me doit de l'argent, il m'a fait un chèque. Je vais encaisser le chèque à la banque. Et je vois dans la Kabbalah de la banque, il y a marqué Aleph Kaf Mem, Akam. C'est quoi Akam? En Kisui Maspik. Il n'y a pas de Kisui, il n'y a pas de. C'est un chèque en bois, comme on dit. Il n'y a pas de. Dans l'argent, il n'y a pas de. Dans le compte, il n'y a pas d'argent. Et donc, je ne peux pas me servir de ce chèque. Est-ce que j'ai le droit de faire appel à la Hotza'a la Poal pour sauver mon argent, pour récupérer l'argent qu'il m'est dû? Matem Ambri, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait de la peine de vous acheter un truc pour quelqu'un qui a eu des problèmes, ça fait de la peine. Bon, lui il commence par des sentiments. Oui. Sentiments, on laisse à la fin. Maintenant, est-ce que tu as une tarana de Choshen Mishpat? Celui qui s'est fait quoi? Ça ne fait pas de la peine? Non. C'est vrai? Il a raison? Quoi? Ça lui fait de la peine. D'un côté, quelqu'un qui doit de l'argent, il doit nourrir ses enfants, il n'a plus d'argent. Alors on a envie de rendre de l'argent. L'appartement, je parlais pour l'appartement. N'importe quoi. Par rapport à la banque. L'achetant, il n'a pas pu payer, on l'a saisi. Et ça s'est vendu, après toi tu l'achètes. C'est ça, dans ce contexte. Alors toi, tu n'as pas de peine pour la banque, mais disons que c'est un particulier. Toi, tu prêtes de l'argent, ouais. Il n'a pas de quoi récupérer. Ouais. Ouais. Alors je vais dire, écoute, Rabbi Gilbert, on ne va pas récupérer ton argent, on a de la peine pour lui. Ouais, on ne peut pas être redette, sur des pains. Déjà, non. Toi, tu as une mida de Rahmanout. Rahmani, Amisra Rahmani. Alors déjà, toi, tu ne peux pas être Dayan. Chaz Shalom, Dayani, Midavet Rahmani. Midavet Rahmani. Mais il faut s'occuper, il faut faire la justice. On ne peut pas. On est obligé de faire la justice. Si ça appartient à un non-juif. Oh, il y a
De quoi? Qu'est-ce qui appartient à un non-juif? Le bien en question qui est vendu. Oui. Ça appartient à un non-juif, en fait. C'est-à-dire que... En fait, c'est pas vraiment... Si c'était un juif à qui ça appartenait... Quel est le cas de prendre, d'acheter dans une vente aux enchères, ou bien envoyer la hotza à la poal, que le propriétaire, le prêteur, il est non-juif? Est-ce que ça serait différent? C'est une très très belle question. Très très belle question ce que tu demandes. Donc on va devoir parler un petit peu de tout ça et de savoir quelle est la maskana, la halakha lemas. Pourquoi j'ai pensé à vous parler de ça? Il y a ce qui s'appelle en hébreu des kitvei et. Kitvei et, tous les mois, quelques mois, ils sortent des gros livres avec plusieurs rabbanim. Ils sont allés chez plusieurs rabbanim, plusieurs grands chachamim, de écrire un ma'amar, écrit quelques pages sur un sujet que tu as envie, et après ils prennent tous les ma'amarim, ils les mettent dans un seul livre et ils vendent ce livre-là. Il y a plusieurs ma'amarim, des kitvei et, chaque rab il ramène le chidouche qu'il a eu cette dernière année, que ce soit dans Rosh HaMishpat, dans Or HaChaim, Ben HaEzer, Yoreh Dea. Alors donc dans un des kitvei et, j'ai vu un ktav et qui a été écrit par le Gaon, Rav Baruch Shraga, Shichye Ve'arich Yamim, c'est le Av Bet Adin de Yerushalayim. Un grand chacham, Tamid chacham Mouflag, un grand Dayan, Av Bet Din, le Rav Baruch Shraga, il est très connu, et il a écrit un psak sur une histoire. Je vais vous raconter l'histoire. Il y avait un libraire qui avait beaucoup de livres. Il y avait une grande librairie avec des très beaux livres, des livres de Kedusha, il y avait Chasse, Talmud Bavli, il y avait des Shoutim, Humashim, des Midrashim, des livres de Moussar. Tout, vraiment une très très belle librairie. Et l'État lui envoie une lettre en disant qu'il doit payer une taxe, très très grande taxe, quelque chose de vraiment, à ses yeux, à son goût, c'était exagéré. Il a dit, moi je paye pas. Je suis désolé, ils vont pas, tout ce que je gagne, ils vont pas me prendre 60% de mon gain. Je paye pas. Alors l'État, il rigole pas. Ils envoient dans le mois qui suit Otsaha à la poal, les huissiers. Ils viennent, les huissiers, et ils viennent prendre, ils prennent le chasse Gemara, ils prennent le Humashim, ils prennent Shelot Utshuvot, ils prennent Yavi Haomer, ils prennent tout. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils annoncent vente aux enchères. Vente aux enchères de Sifri Kedusha. Alors il y en a un Yehudi Tzadik Virei Shamayim, il adore les livres. À lui, il adore, il dévore les livres de Kedusha. Alors il va à cette vente aux enchères et il achète Chasse, Bavli, Yerushalmi, Yabi Haomer, Igrot Moshe, Shevet Alevi, tous les Sfarim, 200-300 shekels, il a eu tout. Sa mère, Vetov Lev, il rentre à la maison, il est tout content, Baruch Haba. Il est tout content avec ses Sfarim et. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, il commence à étudier. Il est tellement content, il fait une saouda todaya. Il dit, Rabota, Yeze Simcha, il invite toute la Keila, il fait une saouda. Et il dit, Rabota, je remercie Akadosh Baruch Hu qui m'a donné ce sroud d'acheter tous ces sfarim chez l'huissier, chez Otsaha Lapoal. Et dans la saouda, un de la Keïla, c'est le pauvre Misken, le libraire. Le pauvre Misken, le libraire, il est dans la Saoudat Odaya. Au départ, il ne savait pas c'était pourquoi, mais il dit, mais Rabotai, vous savez ce que j'ai eu? J'ai eu Chasse Bavli, Chasse Yerushalmi, Yabi Haomer, Shevet Alevi. Et l'autre, il entend, c'est exactement les livres qu'ils lui ont pris avant-hier dans sa librairie. Il lui demande, quel Otsa tu as eu de Chasse? Tu as eu Chasse Osveada ou Chasse Vilna? Chasse Osveada, voilà. Et Yabi Haomer, c'est quoi? C'est le nouveau Yabi Haomer ou les anciens Yabi Haomer? Chelek Yud Aleph ou sans Chelek Yud Aleph? Il dit avec Chelek Yud. Oh là là, Habibi, c'est les livres qui m'ont pris la Otsa à la poêle. J'ai plus de librairie. Ils m'ont tout pris, tous mes livres. Et s'il te plaît, ils m'ont volé mes livres. Et maintenant, tu dois me les rendre. Et même si tu as payé 300-400 shekels, et même si tu as payé la Saouda, tu dois me les rendre et je te dois rien parce qu'ils m'ont volé. C'est des livres qui sont à moi. Ils m'ont été volés. Et maintenant, je dois récupérer mes livres. L'autre il dit non, moi je les ai payés, j'ai fait une souda todaya, tellement je suis content que je les ai eus pour pas cher. Ils viennent chez le Rav Baruch Shraga et il pose la question. Qu'est-ce qu'il répond à Baruch Shraga?
Qu'est-ce que vous répondez, vous? Déjà, à quel point ils ont été volés par rapport à quoi? Ils disent qu'ils ont été volés, ils n'ont pas volé. C'est exactement la question. Comment dans quelle catégorie on rentre à la poêle? Comme un vol, comme un service de l'État, comme quoi? Quelle est la différence entre la route des biens et la route des personnes? Si on a un arrêt, on reconnaît qu'une route, c'est quelque chose d'important, un garant. Et bien, quand on prend l'argent sur le garant, il n'y a pas de différence avec la garantie qu'il y a sur les biens. Quand quelqu'un il vend ou il achète, il a des biens, il représente quelque chose. Toi tu dis il y a un chien à bout. Un chien à bout. Quelqu'un qui emprunte de l'argent, qui va emprunter de l'argent. Alors on marque dans le dossier, dans le contrat, on lui dit il y a des biens qui sont Meshoura Badim, comme une mashkenta. Une mashkanta à la banque, alors il y a le bien qui est Meshurabad. Si la banque, elle ne reçoit pas son argent, alors elle a un appartement. Alors toi, tu parles dans un cas où il a dit, voilà, il a signé dans un contrat, voilà, si je ne paye pas mes dettes, je te donne. Donc il n'y a pas de vol, j'ai donné. Maintenant, pas dans un cas où il y a eu, voilà, il lui demande des taxes. Les taxes, je ne suis jamais engagé à payer les taxes. Il y a quelqu'un, on est dans un monde aujourd'hui où la personne, elle représente que ce qu'il a comme bien. C'est-à-dire que quelqu'un va venir me demander de prêter. Si je sais qu'il a des biens, ben je vais prêter généreusement. Et s'il n'a pas de biens, je vais dire adresse-toi à Ibad. On a un ami dans la famille, un des oncles que on a rencontré, on lui a dit qu'est-ce que tu fais en Israël? Alors, il habite en France. Il a dit je suis venu aux impôts. Il a dit pourquoi t'es venu? Alors ça s'est bien passé. Il dit moi je vais aux impôts quand j'ai rien à déclarer. Sinon je viens pas aux impôts. Alors il avait rien à déclarer, il est venu en Israël pour aller aux impôts. Alors, il s'est pas engagé à payer les impôts. Non, il vient, il lui dit, non, depuis quand? Ça, c'est 60% de... Je peux pas vous donner tant de taxes, tant d'impôts. Alors, donc, il dit, c'est du vol. Alors, il demande, rends-moi mes livres. Ça, c'est la question qui a été demandée à Rav Baruch Shraga. Avant de regarder la réponse de Rav Baruch Shraga, je suis allé voir le Mara de Atra de Rochel Mishpat. C'est qui le Mara de Atra de Rochel Mishpat? Il y a un grand Dayan extraordinaire, qui a écrit une série de livres sur Rochel Mishpat, une série de livres Nifla Beyoter. Il n'y a pas un Dayan, je ne pense pas qu'il y a un Dayan qui n'a pas les Sfarim de ce Rav. C'est le Rav Yaakov Yesharia Bloit. C'était le Av Bedin de la Bedin du Edah Haredit. Edah Haredit, c'était le Av Bedin. Il a écrit une série de livres qui s'appelle Pitre Rochel, sur Rochel Mishpat. Et là-bas, dans deux endroits, dans le Chelek Aleph, Perek Vav et Arayud Bet, et dans le Perek et le Chelek Tet, Perek Zayin et Arat Tzadik Tet. Dans les deux endroits, il parle de Hotsa la poêle. Et venons, on étudie un petit peu d'abord qu'est-ce qu'il dit lui sur comment il considère, comment il définit la Hotsa la poêle selon la halakha, et ensuite on revient à la réponse du Rav Baruch Shraga. Qu'est-ce qu'il dit le Pitre Rochel? Le Pitre Rochel, il vient et il nous donne deux questions qui peuvent se poser sur les huissiers de justice, sur la Hotsa à la poêle. Deux questions selon la halakha. Première question, il y a une halakha qu'on doit, quelqu'un qui a une histoire avec son ami, question d'argent, il faut qu'il aille au Betadine. Il faut qu'il aille chez des Dayanim, il s'assoit et les Dayanim ils vont décider selon le Shulchan Aruch, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu as à répondre, et donc ils vont dire Khayav, Patour, tu dois lui payer une partie, pas une partie. C'est comme ça que le din, il se fait dans Am Israël. Et il y a une halakha qu'on n'a pas le droit d'aller au bet din des goyim. On n'a pas le droit d'aller, ça s'appelle les erkaot. La Cour suprême et les tribunaux qui ne sont pas dans la religion juive, ça s'appelle erkaot. Même si c'est un tribunal tenu par des juifs, mais ces juifs-là, ils ne sont pas religieux, donc ils ne respectent pas la halakha du Shulchan Aruch, mais ils respectent les lois qui ont été, ça aussi c'est considéré erkaot. Et on n'a pas le droit minatora d'aller, c'est un interdit minatora d'aller dans Bet Din chez l'erkaot. Et même si la décision de ces erkaot, elle est conforme à ce qu'il y a. Il y a FEME. Alors donc ça c'est une question.
qui veut développer le Pitre Rocher, est-ce que aller à l'huissier de justice, donc la Hotza Lapoal, est-ce que ça serait pas aller chez l'Erkaot? Ça, c'est une première question. Deuxième question qu'il peut y avoir, est-ce que ce que les Erkaot y prennent, c'est considéré comme. Il y a deux choses. Il y a les Erkaot, il y a la Hotza Lapoal qui va venir et qui va saisir des choses. Saisir des choses, ça ne veut pas dire voler encore. Ils viennent, ils attrapent. Regarde, est-ce que tu es d'accord de payer ou pas? Non, pour l'instant, on tient tes affaires. Et il y a un deuxième stade, c'est où ils vont vendre. Vendre, ça serait possible, considéré comme un gezel. C'est vrai que peut-être, il y a un moussak de mashkon. Quelqu'un qui me donne l'argent, je peux, dans certains cas, attraper. C'est un mashkon. Ce n'est pas que ça m'appartient. C'est que je tiens à quelque chose qui est à lui. Donc, il y a un deuxième stade, c'est de vendre. Il dit, est-ce que vendre, ça serait gezel? Donc, il y a deux points que le Rav Bloy, le Pitre Rochel, il va parler. Est-ce qu'il y a un problème de Erkaot et est-ce qu'il y a un problème de Gezé? C'est quoi le problème de Erkaot? Pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans un tribunal qui n'est pas, qu'on ne pratique pas la loi de la Torah? Dans le Chumash Shemot, Parashat Mishpatim, là-bas on a tous les Mishpatim, toutes les lois de Rochel Mishpat. Et la première loi, premier pasouk dans Parashat Mishpatim est marqué comme ça. Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, voici les lois que tu vas présenter devant Amisraël. Il vient Rashi et il dit, lifnehem, c'est pas seulement devant Amisraël, c'est devant les tribunaux rabbiniques. Devant le Betadim, voici les lois que tu vas enseigner. Lifnehem, pourquoi est marqué lifnehem? Devant eux, il dit c'est pour dire l'ifnehem, devant eux, velo l'ifne goim ve'ov dekocha. Seulement le jugement chez les juifs, il peut se faire seulement dans un tribunal rabbinique juif et pas dans un tribunal qui n'est pas selon la loi de la Torah. Il dit Rashi, ce que tu as dit papa, ve'afil ou yadata, et même si tu es sûr, bedin echad, sur une loi, Shehem danim kedine Israël, que la loi elle est égale. Tu vas aller chez un tribunal qui est pas religieux ou chez des goyim et la loi, le verdict, il sera le même que dans un bet din juif. C'est la même shulchan. Il y a des choses, pas chaque chose, ils sont en désaccord. Des choses que c'est la même. Il dit même si c'est la même chose, al tevi ehu, c'est assourd d'aller se faire juger là-bas. Shamevi dine Israël ifne oved kochavim bemazalot, quelqu'un qui ramène le jugement devant des goyim, mechalel et Hashem, c'est chilul Hashem, vemeyaker et Hashem ha'elilim le'ashbicha, et ça respecte les goyim, ça respecte la loi des goyim, ça valorise. Et il y a un livre qui s'appelle Kesef HaKodashim, c'est un commentaire sur Shulchan Aruch Rosh HaMishpat, et il dit que d'aller se faire juger chez des non-juifs ou bien dans un tribunal qui ne respecte pas la loi de la Torah, c'est avizaraï ou d'avodazara. C'est comme Avodah Zara. Pourquoi? Parce que au lieu de respecter la loi d'Akadosh Baruch Hu, tu vas respecter une loi qui est imprégnée des Goïm et de la Avodah Zara. Ça, c'est l'importance et la gravité de se faire juger chez des Goïm. Alors, il vient à le Pitre Rochel et il dit peut-être qu'il y a un problème de se faire juger chez des Goïm si je vais chez la Hotza à la Poal. Mais il dit peut-être que non. Pourquoi? Il dit il y a une différence entre se servir des services des huissiers, de Hotza Lapoal, et d'aller au tribunal. Pourquoi? Un tribunal qui n'est pas juif, alors vraiment, tu vas te faire juger, tu respectes leur loi, etc. Mais là, il ne s'agit pas d'un jugement. Quand on va à la Hotza Lapoal, chez l'huissier, alors on ne va pas se faire juger devant lui et respecter sa décision. Moi, j'ai besoin de récupérer des choses qui m'appartiennent, un argent qui m'est dû. Alors donc, je me sers d'un moyen pour prendre mon argent. Donc il dit peut-être ça serait pas. Donc il reste Betzarichion. Il dit Tzarichion. Il est mistapek. Peut-être il y a un problème de Erkaot. Peut-être il n'y a pas de problème de Erkaot. Il a un safek. Maintenant le deuxième point. Est-ce qu'il y a un problème de Gezel? Alors il dit dans le Chelektet. Il dit comme ça. Il y a marqué. Il y a marqué dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, une femme qui est almana.
Almana, ça veut dire que l'Elo, elle a perdu son mari. Et maintenant, le mari avait des biens. Maintenant, donc, elle a des enfants. Les enfants, ils vont hériter de leur père. Pour l'instant, c'est elle qui gère les néchassim de son mari. Elle gère les biens. Maintenant, elle veut vendre. Alors, ils disent les chachamim, elle ne peut pas vendre sauf devant un beddin mumché, un beddin qui est haut placé. Et avec une achraza. Achraza, ça veut dire qu'ils vont annoncer pour que les yétomim, c'est-à-dire que les héritiers, ne vont pas perdre. Parce que peut-être qu'elle va liquider, elle va vendre pour pas cher, donc les héritiers ils vont perdre de l'argent. Donc il faut un beddin mumché avec une achraza, comme ça les héritiers ne vont pas perdre d'argent. Il dit, mais non, mais en ce qui concerne Saktouba, Saktouba, c'est l'engagement que son mari a pris sur lui lors de la célébration de leur mariage. La Ktouba, elle a le droit de vendre des biens pour récupérer sa Ktouba quand il n'y a pas d'argent. Elle peut vendre des biens même sans Beddin Moumri, même un Beddin Pachout et sans Akhraza. Elle peut vendre ses biens pour pouvoir récupérer sa Ktouba. Le reste, non. Comme ça, il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Maintenant, si elle envoie un shaliach, ça c'est dans le Choshen Mishpat, Siman Kuftet, elle envoie un shaliach pour lui vendre ses biens. C'est-à-dire que Meikar Adin, elle peut vendre elle-même. Parce qu'il y a marqué que même Bifne Bedin et Diotot, puisque c'est pour sa Ktouba, on lui a autorisé de vendre ses biens de son mari. Même si ça vient sur le compte des héritiers. Alors maintenant, si elle veut envoyer un shaliach, et le shaliach nit ana, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème avec le shaliach, alors dans certains cas, on va dire que la vente, elle n'est pas faite. Mais, il dit le Rama, si elle demande à un chauffette chez Memouné, c'est-à-dire il y a dans l'état où elle se trouve un non-juif, et lui, il s'occupe de vendre, et lui, il a l'autorisation de l'état de vendre des choses, c'est en quelque sorte des huissiers de justice, et donc ils ont une capacité, une facilité à vendre des biens, etc. Alors, elle peut lui demander à ce chaliar qui lui vend, et c'est comme si la vente elle est valable dans tous les cas. Le mecher il est fait. Comme ça il y a marqué dans le Rama, Choshen Mishpat, Siman Kuftet. Il vient le Netivot HaMishpat. Netivot HaMishpat, un grand commentaire sur le Shulchan Aruch Choshen Mishpat. Dans les Yeshivot, on l'appelle le Nesives. Netivot HaMishpat, on l'appelle le Nesives. Alors, il dit le Netivot HaMishpat, il dit tout ça, c'est seulement dans une femme, Almana, qu'on lui a autorisé d'aller chercher sa Ktouba. Mais si un juif, il doit de l'argent à son copain, et il n'arrive pas à récupérer son argent, et il veut demander à ce chauffette, il veut demander à l'huissier de lui vendre, de lui faciliter la vente d'un bien de celui qui lui doit de l'argent, il dit assur. Et s'il vend, c'est gezel beado. C'est comme s'il a pris quelque chose qui n'est pas à lui et qu'il a vendu. Alors là, c'est gezel. Il n'a pas le droit de le faire. Ça veut dire, il vient le pitri rochel et il dit, tu vois, que si je demande à l'huissier, aux huissiers de justice, à la poal, d'aller prendre quelque chose et de le vendre de celui qui me donne l'argent, tu vois que le nitivot amishpat, il dit, mais forage, que c'est un gezel. Mais au sein de la parole, il n'agit que sur décision sur un psagdine, sur un jugement. Alors, tu dis, a priori, un jugement. Mais ça. Puisque le jugement, c'est un jugement de RKO, l'huissier de justice dans la parole, elle fixe ses lois selon ce qu'a dit la Cour suprême, le Bet Mishpat, pas le Bet Din. Alors, donc, puisque la loi, c'est pas une loi de Israël, et selon la loi de Israël, on n'a pas le droit d'aller lui enlever ce terrain, cette maison ou ses meubles. Alors donc, s'il a pris quand même service de cette chose-là, c'est considéré comme si c'est une chose volée et on n'a pas le droit de la vendre ni de l'acheter. Alors ça veut dire que quelqu'un qui a une dette, qui a une dette à récupérer de quelqu'un, ça sert à rien qu'il ait un bedin, parce qu'il ne peut pas récupérer, s'il n'a pas l'argent. Non. Si le bedin, il dit qu'on est obligé d'aller lui prendre... Maintenant, saisir. Comment tu peux, selon la halakha. Et maintenant, ils nous autorisent, ils disent qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre moyen de saisir ses biens, sauf si on va à l'observatoire. Alors là, c'est le Bedin qui lui a dit. Ah.
Mais quelqu'un qui va directement, il va à l'autre à la poêle. Alors il dit, c'est considéré gezel. Comme ça, il dit le Pitri Rocher. Donc il dit, il y a un problème de gezel. Donc selon ça, selon ce qu'il dit le Pitri Rocher, Baruch Haba, selon ce qu'il dit le Pitri Rocher, on a deux problèmes à aller à la haute à la poêle. Premier problème, ça fait que peut-être il y a un problème de RKOT, comme on a dit. Et deuxième problème, si je ne peux pas passer par un petit, ce qu'on lui prend, c'est chez l'Okadi. Et donc il y a un problème de gezel, de vol. Selon ça, est-ce que je peux aller à une vente aux enchères de haute à la poêle? Ils vendent toutes sortes de choses. Alors selon ça, on n'a pas le droit. Selon le Pitri Rocher, on n'a pas le droit d'aller acheter des choses à la haute à la poêle parce que ce sont des choses qui ont été fixés selon des RKOT, et donc c'est des choses volées. C'est comme si quelqu'un il vend des biens qui sont à son voisin. On peut vendre des biens qui sont au voisin? Impossible. Machar gezel, zelo mecher, c'est pas une mechira. Alors donc, selon ça, assour, selon le Pitri Rocher. Il a une question là-bas, le Pitri Rocher. Quelqu'un qui signe, qui demande une assurance, une chevra de bitour. Non, chevra de bitour. Si on dit s'il y a un accident, il fait un accident avec deux voitures, il se rentre dedans. Au Hachem, il n'y a pas de problème. Mais il y a la carrosserie qui est complètement massacrée. Alors maintenant, je vais appeler la chevra de bitour. Je vais appeler l'assurance. Et je vais demander, voilà ce qui s'est passé. Je suis assuré, je demande à être remboursé. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'assurance? Ils vont aller au Bet HaMishpat, au RKOT. Ils vont aller au tribunal. Et ils vont est ouvert à la chevrat bitouar de l'autre voiture. Alors, a priori, est-ce qu'il y a un problème de RKOT? Il dit, il faut être nizahar de ne pas signer dans des endroits où il y a des RKOT. Il dit comme ça, t'as me kabel al tzimecha din RKOT. Mais dans certains cas, certains poskibs, ils ont autorisé. Ils disent que là, la chevrat bitouar, elle s'est engagée vis-à-vis de moi. Elle a dit, voilà, si tu as un nezek, si tu as un problème, moi je couvre. Mais non, elle peut aller à Tovea ou elle peut ne pas aller à Tovea. Donc ça n'a rien à voir avec moi. C'est la chevrat bitouar qu'elle, l'assurance, elle veut aller au tribunal. Mais moi, je ne suis pas intéressé. Moi, mitzidishi, ou la betadin. D'autres, ils vont dire non, puisque la chevrat bitouar te fait signer à Ipui Kouar. C'est quoi, c'est Ipui Kouar? Si je suis. Que pour aller au tribunal, ils me représentent. Alors, ils disent que c'est représenté. Alors donc, Yesh Bezei Koule ou Pshure, beaucoup de questions dans le Pitri Rocher. A Kolpani, Leinyanenu, notre question, est-ce que Otsaha la Poa, il y a un problème de RKOT? Yin Svara que non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un din qu'on fait au RKOT. Mais si la Otsaha la Poa, les huissiers, ils vont vendre les choses qu'ils ont récupérées, c'est un gezel, a priori. Alors selon ça, comment on va répondre à la question de Rav Baruch Shraga avec ce libraire qu'on lui a pris ses livres et un autre Rav, il est venu lui acheter tous les chasse au poskim. Est-ce qu'il doit lui rendre ses livres? Selon ça, Vadaï qu'il doit lui rendre. Est-ce qu'il doit lui payer? Vadaï qu'il n'est pas obligé de lui payer. Ça, c'est selon le Pitri Rocher. D'accord? Parce que là, on sait à la poêle, c'est du gezel. Ils ont vendu quelque chose de volé. Alors toi, tu as acheté quelque chose de volé. Oh non, on ne parle pas de Yush. On va rentrer dans ça. Est-ce qu'il y a un problème de Yush? Comment? Parce qu'on a dit Zouda Todaïm, en fait, c'est un rôle solaire, le mec. Bidiouk, maintenant, il doit faire une Saoudat Aveli. Otsa la poêle, c'est que c'est arrangeant aussi pour la personne. Moi, je vais te dire des cas d'Otsa la poêle. C'est arrangeant. Que le type, il a une grosse dette à la banque, etc. Ils viennent, ils lui prennent sa voiture. Des fois, sa voiture, elle vaut beaucoup moins que ce qu'il va rembourser. Donc, des fois, il est gagnant. Donc maintenant, ça veut pas dire qu'il a fini sa dette. Il n'a pas fini sa dette. Il continuera à le poursuivre pour le reste, mais ils ont revendu sa voiture, donc ça va lui solder une partie. Donc ça lui rend service. C'est pas que ça vaut zéro, c'est que de l'argent qu'il a dépensé lui, c'est de l'argent. Hein? Alors donc, selon ce qu'on voit, selon le Pitri Rocher, ce que le Hotza la poêle vend dans des ventes aux enchères, c'est du gezel, donc on n'a ni le droit d'acheter là-bas. Et s'il y a quelqu'un qui achète là-bas, Pidin Torah, ça revient au propriétaire des biens. Comme ça, c'est le Pitri Rocher. Maintenant, on vient étudier la tchouva du Rav Baruch Shraga. Le Rav Baruch Shraga, il ramène une gemara dans Maseret Gittin. Maseret Gittin, il y a un perek qui s'appelle
Anisakin, c'est un perek qui parle que de Gviatrov. Comment on peut prendre des dettes, récupérer des dettes de quelles terres, etc. Il y a marqué par exemple que le Balrog, quelqu'un qui fait un prêt, et le prêteur, il n'a pas de quoi payer, alors l'emprunteur, il a un chiaboud, c'est-à-dire il a un droit sur les terres, les maisons du prêteur, et donc il peut prendre, mais il dit Chevalier Hassi. S'il y a deux sortes de terres, il y a un bel appartement et un moins beau, alors il peut prendre le meilleur. Il dit Chevalier Hassi. Parce que Baal Chob, on est, les Chachamim, ils ont fait une takana pour lui. Chez l'autre, il ne rôle dès la bifnélovin, sinon après les gens ils vont arrêter de prêter de l'argent. Alors donc, parce que ouais, tu vas me payer, après je me retrouve avec un appartement à vendable. Donc on lui fait une takana pour que les gens continuent à prêter leur argent. Regarde, si tu ne vas pas être remboursé, tu vas pouvoir chercher le meilleur appartement de celui qui t'a prêté. Et là, c'est pas à qui tu as prêté, exactement. Alors maintenant, ça c'est Balro. Il y en a qui sont govim, mi benonit. C'est quoi benonit? Une moyenne. Dans quel cas? Perek Anizakin, c'est le cinquième chapitre de Maseret Gittin. Alors, Anizakin, Shamin Lahem, Beidit. Pardon, excusez-moi. Les Nizakim, c'est-à-dire quelqu'un qu'on lui a fait un dommage, un Nezek, Shor, Hamor, il est venu, il lui a. Alors, le Nezek, on prend, mais Idit Shemalechasi. Baal Chov Bebenonit. Pas, j'ai dit Baal Chov Beidit, je me suis trompé. Baal Chov Bebenonit. Pourquoi on n'a pas dit Beziburit? Pour que les gens continuent à prêter. C'est ce qu'on fait avec Benoît. Mais pas. Et que tu batisha, Beziburit. Que tu batisha, puisqu'on n'a aucun problème, alors on fait Beziburit. On n'a pas peur que les gens, les femmes, ils ne vont pas se marier de peur. Quand ils vont divorcer, ils vont avoir. Alors donc, ça, les femmes, ils ne sont pas Mechash Benot. C'est pas un prêt. Alors donc, tu batisha, Beziburit. Rabbi Meir Omer, af que tu batisha, Bebenoît. On dit quoi? La femme, elle va se retrouver avec un. Comment elle va pouvoir se remarier après? Mishum China. Elle n'aura plus de chen. Aujourd'hui, le chen, c'est aussi, est-ce qu'elle a des belles maisons? Alors donc, il dit, Ktubat Isha aussi, c'est Bebenonit. Comme ça, marqué dans la Mishnah, il faisait un bel argent. Alors, dans la Sugya là-bas, il y a marqué dans le Daf Nunchet Amudbet. Il y a marqué comme ça. Il y avait à l'époque des Sikrikon. C'est quoi Sikrikon? Il y avait un méchant. Un rachat, le rouchat, Goy, en fait, Kochavim. Et lui, il se promenait avec son pistolet, avec son revolver, et il allait chez des juifs et leur disait, signe-moi que cette maison, elle m'appartient, sinon je te tue. Alors le pauvre juif, il va se faire tirer dessus, il va dire, alors, il prend, shtar, il écrit, je te donne. Ça s'appelle les sikrikon. Des bandes. Maintenant, si il y a son copain juif qui va acheter de ce sikrikon. Le sikrikon, maintenant, il a des dettes. Il va vendre tous les terrains qu'il a capturés, qu'il a volés. Alors donc, il y a Réhouven, il s'est fait prendre son terrain pour le sikrikon. Et il y a Shimon qui vient racheter le terrain du sikrikon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que ça appartient à Shimon. Pourquoi? Parce que toi, tu as vraiment donné, tu as fait cadeau au Sikrikon, et donc c'était plus à toi. Maintenant, lui, il a acheté quelque chose qui n'était pas à toi. Comment? Sous la menace. Mais je l'ai fait quand même. Il dit, Agav, il dit, puisqu'il allait se faire tuer, Kevan, chez... Ayab et Sakanat Mavet, puisqu'il allait se faire tuer. Alors il a préféré donner Benev Shalem cette maison-là plutôt que de se faire tuer. Maintenant, il vient à la Gemara et elle dit comme ça. Abba Mahamat Rov. Si le Sikrikor, il n'a pas menacé de mort, il est venu, il lui a dit, regarde, moi maintenant, je te prends de force. Il n'a pas menacé de mort. Il a dit, voilà, tu as des dettes, etc., je te prends le terrain. Alors là, Endin Sikrikor. Là, on dit non. Là, il lui a pris quelque chose. C'est volé. Donc, si Shimon, il vient lui reprendre, c'est considéré du vol. Donc, dans ce cas-là, a priori, il veut le Rav Baruch Shaga essayer de se servir de cette Gemara. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Gemara? Il y a marqué que si c'est pas un danger de mort, Otsa la Poal, ils vont pas tuer la personne. Alors, Otsa la Poal, même s'ils sont pas très sympas, mais En Sakana Traim, il n'y a pas de danger de mort.
Donc, il dit a priori, il n'y a pas de... Tu vois ici que s'ils ont pris, c'est du gezel. Donc a priori, ça va avec le Rav Pitre Rocher. Les deux, ils disent que c'est du vol. Et donc, celui qui va racheter dans la vente aux enchères du... des huissiers, alors c'est l'eau chez l'eau. Ça ne l'a pas fait. Ils doivent rendre. C'est du vol. J'arrive pas, j'attrape pas. J'ai dû rater le début du chiot, sûrement. Non, on est mal formaté en fait. Donc, on comprendrait juste le contraire. Normalement, aujourd'hui, dans notre esprit peut-être tordu, c'est juste le contraire. Quand un mec il vient avec un flingue, il t'a volé. Et quand le mec il est pas venu avec un flingue, il était venu pour récupérer parce que t'as des dettes, et ben il t'a pas volé. C'est normal, il récupère ce que tu lui dois. Mais là, elle dit la Gemara qu'on va selon le Gmirouda. Quand c'est un sakana trahi, il y a une Gmirouda qui donne parce qu'il préfère vivre. Mais quand c'est pas une Gmirouda, alors c'est contre la logique. Quand je dois de l'argent, le mec il vient me récupérer mon téléphone parce que je dois de l'argent, pour moi c'est pas une Gmirouda de dire ok, bah j'ai pas remboursé, bah il a pris des dettes. Si je me suis engagé. Alors voilà, quand j'aurai la question, non, moi j'essaie de comprendre pourquoi on a pitié de la personne, soi-disant, qui a prêté de l'argent et qui n'a pas les moyens de rembourser, alors que l'autre type qui a prêté 100 000 shekels, il a déjà récupéré son dû. C'est la Maudif. Alors je crois répondre à cette question comme ça. Quelqu'un qui se met dans des dettes, il prend un prêt, etc. Et là, il va s'engager à ce que s'il ne rembourse pas, alors il a déchiré un boudim. Il dit voilà, cet appartement, tu peux prendre ce téléphone, c'est un mashkor. Alors, donc, ça, c'est dans un cas où il a dit voilà, je te donne des biens pour le prix que tu m'as fait. Déchire un boudim. Mais si, non. S'il y a, voilà, maintenant, il y a le mas, les taxes. Moi, je ne me suis jamais engagé. C'est-à-dire, même si moi, je te donne l'argent, qu'est-ce que ça a à voir si j'ai des biens? Si je ne retiens pas ma responsabilité, mets-moi en prison. Mais je ne me suis pas engagé à te donner des choses qui ne sont pas en rapport avec. Avec le prix. C'est pas la même chose. Quand tu as une dette envers l'État, ils vont pas te prendre des biens. Ils vont venir, ils vont te faire des ikoulim, des histoires. Ça, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont te bloquer. Mais ils vont pas te prendre des choses. Ouais, mais après, ils te prennent des biens, je rigole quoi. C'est le début. C'est le début. Mais si tu as une khevra, une grande khevra, quelqu'un il a une grande société et la société elle a fait faillite, alors s'il a des maisons qui sont à son nom, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont rachamim, qu'est-ce qu'ils font? Propriétaires et directeurs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Tous les appartements, c'est au nom de sa femme, au nom de sa petite nièce, ou son cousin, ou Zekachem aussi. Pourquoi? Car chez Yves, Yavo, Veillé, on sait à la poêle, ou un Imahoud, ou Megalgel Millioni, mais alors un Imahoud, Kolpanim, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que tout ce que la Gemara elle dit que ça appartient à celui qui a pris au bandit, c'est parce que c'était un danger de mort. Donc il a été gamar ou makni, il a fait gmirou dat, il a dit voilà, je te donne. Mais quand il n'y a pas de problème de gmirou dat, alors il dit ça appartient. Donc a priori, ça correspond à la chita du Pitre Rocher. Si on considère l'autre salabouane comme moi, je comprends comme quelque chose. Je considère l'autre salabouane comme le. Moi je comprends la chose selon ce que tu me fais comprendre. En réalité, quand tu viens pour. Si tu as par exemple j'ai prêté de l'argent pour ce portable, d'accord, et je me suis engagé de hypothéquer ce portable. Tu as donné quelque chose. D'accord, maintenant en fait, la Nekuda, elle est quand tu as prêté de l'argent Klali, voilà. Et que moi je viens. Exactement. Il pourrait prendre la voiture comme il peut prendre la machine à laver. C'est pas l'autre chose. C'est-à-dire le transfert de propriété, il se fait par le Gmirud Dat. C'est-à-dire que si le type il a eu l'intention de donner la chose en garantie ou il le citricote, comme on l'a dit, il a peur de lui, il a donné, il s'est dessaisi, c'est suffisant pour dire qu'il y a eu un transfert. C'est fini. Il fait mal. Maintenant, il y a un Shulchan Aruch. Et on va terminer avec ça. Shulchan Aruch, dans Siman Resh Lamed Vav, Ilchot Ona'a Vemekach Ta'ut. Quelqu'un qui achète quelque chose et après, c'est suspect, voilà, ça c'était déjà un chiabout, ça appartient à l'un, ça appartient à l'autre. Il y avait une histoire, tout le monde connaît Hefziba. Hefziba, c'était un grand projet, ils ont vendu des appartements 4 fois. Il y a 4 propriétaires de l'appartement. 4 fois ils ont vendu à la Chine. Ça c'est Mekartaout Veona. Ça c'est Ona'a de Mekartaout. Alors Shulchan Aruch dans Alachot Mekartaout Veona, dans Siman Resh Lamed Vav 236 à la Chachet. Il dit comme ça. Ba Akum Be'akifin. Un bandit qui vient Be'akifin à l'Israël Velakar Sadeh. Il est venu et il a capturé une terre.
un terrain. Velo aya masur beyado lehorgo. C'était pas un danger de vie, de mort. Ou mecharo l'Israël. Et il a vendu à un juif. On est à nous, oui bien il a donné. Tsarir lehachaziro la bealim afilu sha'ata beyado kamashanim. Même si c'était plusieurs années dans la possession de ce nouveau propriétaire, ça revient chez le premier propriétaire. Pourquoi il n'est pas venu pendant toutes ces années-là? Il avait peur. C'est pas une chazaka. Une chazaka, hein, c'est quand j'étais 3 ans, tu m'as vu, tu étais d'accord, ça veut dire que c'est à moi. Mais quand j'avais peur, parce que c'est l'autre qui m'a volé, je ne voulais pas. Maintenant, je me sens un peu rassuré, je suis venu avec quelques amis, chacun il est comme costaud, à ce moment-là. Ou bien l'autre il est mort, alors donc là je suis venu, donc il n'y a pas de chazaka. Donc même après plusieurs années, Zechoser la Béalim. Ve'en tsarich la chaziro bechina. Par contre, il dit, ça revient chez le propriétaire, mais il faut lui payer certaines choses. Alors donc on ne va pas rentrer dans c'est quoi chinam, c'est la tircha qu'il a eu, c'est tous les efforts qu'il a eu, qu'est-ce qu'il aurait payé pour le premier bandit, qu'est-ce qu'il aurait payé pour récupérer ça. Donc il y a plusieurs choses à calculer, ça c'est la shita de Rabbeinu Gershom dans Tosfot Masechet Baba Kama Daf Nunchet, pas comme shita Rashi. Ela shamin kama yo rotze liten la akum vechen liten la Israël. Ça c'est comme ça il dit le Shulchan Aruch. Maintenant, il vient le Rama et il rentre le point que tu as rentré. Il dit le Rama. Vedavka bekarka. Tout ça, ce qu'on dit, ça le Rav Baruch Shraga, il va dire a priori dans les livres. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit tout ça, il dit le Rama, c'est dans karkaot, dans des terrains. Parce que une karka, l'omitié esh. Quelqu'un qui a un terrain, le terrain il est là. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il est là. J'attends le moment. Allez, mechakel azman amati. Dès que ce sera à mon heure, je le reprendrai. Alors donc, Karka, il n'est pas mitiaesh, c'est encore dans sa possession. Donc même s'il va le vendre l'autre, ça revient au Baali. Aval metal télé, quand c'est pas de l'immobilier, c'est du mobilier. Des meilleurs cheminés, ils sont mitiaeshim. En tsarich la chazir la Baali. Pas besoin de rendre. Milvad, sauf Sfarim, sauf des livres de Kdusha. Des en meilleurs cheminés. Quelqu'un, il n'est pas mitiaesh de ses livres. Diad inan, de en mochrim rakli Israël. Qui va pouvoir vendre ce sefer Torah? Qui va pouvoir vendre ce chasse? Qu'un juif, donc je ne suis pas mitiaesh. Ça veut dire, il dit le Rav Baruch Shraga. A priori, les livres, c'est metaltelim. Metaltelim. Bon. Mitiaesh. Mais là, puisque c'est les sefer, il n'y a pas de. Jamais de Gmirudat. Il n'y a jamais de Gmirudat. Il est toujours. Il est toujours avec l'espoir, il va récupérer. Bien fait. Comme Karka. Bien fait. Alors maintenant. C'est incroyable, le Rama, il donne mamash, l'exemple précis. Le cas des Sfarim, il est marqué dans le Rama. Donc il dit le cas des Sfarim, il n'est pas mitiège. Le Rav Arush, selon la Svara du Rav Arush Raga, qu'est-ce qui serait le cas dans d'autres métal-télé? A priori, ce n'est pas des livres, une montre, etc. Il est mitiège parce qu'il peut vendre des gouilles. Mais la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est que dans tout, c'est considéré du mal. Là, il y a une différence entre le Rav Arush Raga et le Pitri Rocher. Le Pitre Rochel, il dit que tout est considéré du vol. Donc on ne peut pas acheter du tout. Et il dit le Pitre Rochel, Bechoum Paliva Ophel, on ne peut pas acheter de Otsa à la poêle. Selon le Rav Arush Raga, on a un cas où ça serait autorisé quand c'est des métal télé. Mais il dit le Pitre Rochel, il dit non, c'est l'eau de Melepo. Ça n'a rien à voir avec. Ici, on parle quand c'est un goy qui lui a pris. Un goy qui lui a pris, il y a Dina de Malchut, Dina. Il y a une halakha que les lois d'un État sont des lois, et donc c'est considéré que ça appartient au goy, donc ça appartient. Mais quand c'est un juif, ça la parole de Eretz Israël, c'est un juif qui l'a pris, il n'y a pas Dina de Malchotadina que c'est considéré comme si ça ne lui appartient plus. Dina de Malchotadina en Israël, c'est vrai dans certaines choses, mais pas quand il veut voler le juif. Un vol, ça reste à dire de lui dire dans tous les cas. Et le Barav Baruch Raga lui-même, dans sa maskana, il dit que le Rav Eliashiv, voilà, Shalom, il a donné une aura à Rav Eliashiv, qui est aussi un grand Dayan, le Beit Hadin Hagadol. Il dit que on n'a pas le droit d'acheter des choses au Tzah à la poêle. Et si tu achètes, c'est du Gezel, c'est l'Arzir de la Berlin. Alors, j'ai juste une question. Je ne sais pas comment ça marche en Israël, mais en France, par exemple, quand il y a des ventes aux enchères de choses qui ont été saisies, ils sont obligés de faire une annonce officielle. Donc, c'est comme ça que tous les mecs qui veulent faire des bonnes affaires, ils ont le journal officiel. Et ils voient les annonces légales, et ils voient qu'il y aura telle vente de telle chose, etc. Est-ce que le fait que la personne qui a été volée, on parle de nouveau volé, d'accord, celui à qui on l'a saisi, est-ce que lui, le fait qu'il soit au courant qu'il va y avoir la vente de ses sfarim, en l'occurrence, est-ce que ça permet à celui qui a acheté d'être moins coupable? Est-ce que ça arrive à comprendre la question?
Encore une fois. Est-ce que le fait que celui qui a acheté les livres dans une enchère, dans une vente aux enchères, le fait que celui qui, à qui on a pris les livres deux semaines avant, il soit au courant qu'il va y avoir cette vente, il n'est pas venu les racheter lui. D'accord, il n'est pas venu, il a laissé se faire. Ou il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas d'argent. D'accord, mais dans ce cas-là... Mais je peux te dire qu'il veut les voir, c'est qui a acheté, etc. Il est le Rabbi Chavagna, il parle de ça. Il dit, quelqu'un, le Rav Shraga, il dit, Adam, l'omitech masarim, il va voir exactement quand ils vont vendre ses livres, c'est chachou. Ouais, il n'a pas d'argent, il ne peut pas les récupérer. C'est vrai, c'est vrai, il a raison. Le temps de réaction qu'il y a après, il y a toujours, même en Israël, c'est comme ça. Quand tu as une saisie, il te laisse 30 ou 40 jours. Mais il n'a pas d'argent. Entre le truc pour te rétracter. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas prêté. Fais pas prendre l'argent. Mais non, mais livre, vas-y, t'as chaud. T'as pas saisi la Vera de prêter de l'argent, de prêter et de pas. Et mais à la sorte, ou un ours D'emprunter. Ou un ours. Si, il y a eu des chiens à Boudim. Alors, Zébédine, avec des choses qui ne sont pas chiens à Boudim. Zélopadine. À quoi le panier? J'ai l'impression que c'est un peu le monde à l'envers. Maskana la halakha, l'otsa la poa, qui n'est pas selon le bedi, c'est gezel, comme ça il dit le rabbi Chochet, comme ça il dit le rabbi Yachir. Et donc il y a même un safek de aller au erkaot. Il faut que le bedin t'autorise. Si le bedin il dit, s'il y a des chiens boudim, ou le bedin il te dit, tu peux aller chercher par l'otsa la poa, le shlecha éternel betadin. Mais si tu vas seul au bedin, il y a un safek de erkaot, comme on a dit, que même si le dit le shavé a dit Israël, il y a un issur de erkaot, il y a un issur de gezel, deux issur sur le rabbi Chochet. Et donc pas comme la nafkamina qui dit le rabbi Baruch Shraga, pas comme la nafkamina qui dit la Baruch Shraga, la halakha elle est comme le pitri chochet de dire que Assur, Beshub, Ophel, même des métal d'élim qui ne sont pas des siffrés. Mais c'est très dur, ça va dans cette société-là, on ne peut pas vivre. Que le Bédine te trouve, ou bien Chiaboudine, ou bien des Chiaboudine, c'est illégal. Ah non, mais c'est incroyable. En fait, ça soulève une question plus profonde, c'est que pourquoi est-ce qu'on les appelle des voleurs au Salapoel? Parce qu'ils sont venus récupérer quelque chose qu'à aucun moment tu as convenu qu'ils pouvaient le prendre si jamais tu souhaitais distraire dans l'argent, c'est-à-dire. Donc quelque part, on a des fois envie de porter plainte contre les banques qui nous prêtent tellement facilement de l'argent. Bien, tu peux dire ce qui est. T'as envie de porter plainte contre eux, t'as envie de leur dire, mais pourquoi? Parce que derrière vous savez que vous pouvez récupérer n'importe comment. Dans notre cas, c'est plus pour qui prête. Exactement, mais une fois que t'en as une fois... Non, moi je te parle pas ce mois-là, je te parle une fois, tu peux plus les rembourser. Au début, c'est après moi je te parle. Non mais c'est vrai. Au début, en fait, c'est ça, parce qu'en fait, eux, ils savent qu'ils peuvent venir récupérer n'importe comment, ils récupèrent leur argent. N'importe comment ils le récupèrent. Effectivement. Je crois qu'on va faire une... Donc, les d'abord, c'est l'inyan à la paracha. Une vieille tzoubitch. Parachat à Shavua, parachat Toldot. Parachat Toldot, on voit les deux fils de Yaakov Avinu. Yaakov et Esav. Yaakov, c'est la force de la parole, la force de l'étude. Akol, Kol, Yaakov. Esav, c'est la force de la guerre et des mains. Yadayim, Yadayim, Esav. Et on voit que Yaakov et Esav, ils respectent les deux leurs pères. Mais Esav, c'est extraordinaire. Le kibboud avaim de Esav, il est extraordinaire. Et on souffre aujourd'hui de Esav à cause de ce kibboud avaim là. Il a été mechabed. Il avait un honneur. Il respectait ses parents, son père, Betsura Yotzet Milaklal. Et tout le monde connaît le fameux Midrash qui dit qu'il est allé Esav chez son père pour lui demander « Est-ce qu'on fait le maaser sur le sel et sur la paille ?» Tout le monde sait qu'on ne fait pas le... Mais non, lui, il est allé, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on fait le... Pour montrer à Yaakov, montrer à Yitzhak Avinu combien la Torah elle, est importante à ses yeux pour en quelque sorte failloter son père. Il vient le Shem Ishmael et demande, pourquoi Esav est allé chercher le maaser sur le sel et sur la paille? Pourquoi il lui pose des questions qui ne sont pas des questions? Pose-lui des vraies questions. C'est le fils de Gdolador de Yitzhak Avinu. Il était à l'Eshiva de Shem Be'ever. Il connaît les sugyot de Choshen Mishpah, d'autres. Pose une question, voilà, pose une question à ton père. Otsa la poal, c'est Gezel ou c'est pas Gezel? C'est Erkaot ou c'est pas Erkaot? Pose une vraie question. Pourquoi tu lui poses une question? Je t'allouche, mais à Sechel. Melach, Betemel. Dis, Pirouche Niflammer. Très, très beau Pirouche. C'est forcé de dire, il répond. Alors, il donne une très, 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 très belle explication. Il dit comme ça. Quelle est la place de quelqu'un qui n'est pas un juif, quelqu'un qui n'est pas Nezer Abria? Sa place, elle est secondaire à lui. C'est-à-dire, il vient servir. C'est quoi un chassid ou motar là? Quelqu'un qui sert le juif, qui aide le juif, qui sauve les juifs. Quand on a un fruit,
On a la peau du fruit. C'est quoi l'essentiel et c'est quoi le secondaire? Le fruit, c'est l'essentiel. La peau, c'est le secondaire. Et malgré tout, on voit que dans la halakhot orla, dans la halakhot de Kdusha, la sainteté sur les fruits et légumes, la peau, elle est comme le fruit. Et pirio, et atafel le pirio. C'est-à-dire que si la peau, c'est-à-dire le secondaire, il est conscient de son tafkid, il respecte son tafkid, il respecte son travail, d'être secondaire à l'essentiel, alors il est considéré comme l'essentiel. Il fait partie, quelqu'un qui est tafel au ikar, il devient comme le ikar. Il est tafel au ikar, il est ensemble. Par contre, si on a un tafel, quelque chose qui est secondaire, et il se prend pour quelque chose qui est ikar, pour l'essentiel, alors lui, il est batel minan là. Quand on a une peau, tant qu'elle est sur le fruit, elle est encore bien. Dès qu'on l'épluche, elle est sèche. Dès qu'elle devient biflé atmo, dès qu'elle devient individuelle, qu'elle devient personnelle, le tafel, il peut être ikar seulement s'il est tafel ou ikar. Il peut être considéré comme l'essentiel s'il sert le... Alors donc, Esav, c'était quoi son problème? Esav était censé être le tafel de Yaakov. C'était censé être le secondaire. Et si c'était le secondaire de Yaakov, il aurait été tzadik gamour, chassid umot haolam. Chassid umot haolam. Mais comme Esav, il ne voulait pas se soumettre. Et en réalité, c'était ça les brachot. Pourquoi Yitzhak Avinu, il voulait tellement donner les brachot à Esav? Pourquoi tu voulais donner tellement les brachot? Tu sais que c'est un rachat merusha. Pourquoi? Non. Yitzhak Avinu, il voulait donner les brachot à Esav pour éclairer ses yeux, qui prennent sa place, qui prennent sa réelle place d'être secondaire à Yaakov. Et là, il devient tzadik. Mais Esav, non. Esav, il voulait être Ikar, il voulait pas être tafel. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il est allé, Yitzhak, Esav, il est demandé à son père, il lui a dit, le sel, pourquoi on fait pas le maaser sur le sel? Parce que le sel, c'est pas un aliment. Il vient être métabel, il est secondaire à l'aliment. La paille, pourquoi on fait pas le maaser sur le sel? Parce que la paille, elle vient préserver et protéger le blé. Alors il a dit, Esav, moi je me soumets pas. Moi, je suis un tafel qui devient ikar. Alors, est-ce que le sel qui est secondaire, on fait le maaser, est-ce qu'on le rend ikar, le tafel? La paille, est-ce qu'on le rend ikar, la paille? C'est-à-dire que Esav, même dans sa question, il voulait prendre quelque chose qui était secondaire et le transformer en essentiel, en ikar. Et c'était ça le problème de Esav. C'est pour ça qu'il a choisi le maaser sur le sel et le maaser sur la paille et pas d'autres questions de halakha. Parce que c'était ça le fond du problème de Esav. Le fond du problème de Esav, il dit, moi, j'ai pas envie d'être Tafel, j'ai envie d'être Ikar. Et c'est pour ça que Yitzhak voulait le bénir, mais lo halach. Kolpanim, on a vu dans la paracha de la semaine dernière que Ishmael, à la fin de la paracha, a marqué dans le Ramban, dans le Midrash, que Chazar Bitshuva. Pourquoi Chazar Bitshuva? Parce que Ishmael, à la fin, il a pris conscience de qui il était. Il a marqué à la fin de la paracha que Yitzhak et Ishmael, ils ont enterré Abraham. Pourquoi marquer Yitzhak et Ishmael? Il faut marquer Ishmael et Yitzhak, c'est qui le Bechor? C'est Ishmael? Non. Ishmael, il a laissé la place d'abord à Yitzhak. Toi, viens, enterre papa, et moi aussi je vais t'aider. Moi, je suis, il a pris conscience de sa place. Ça, c'est moi qui rajoute. Je ne sais pas si le Hichem Ishmael est d'accord. Mais Ishmael, pourquoi il est devenu, il a été Chozar B'Tshuva? Pas parce qu'il était tzadik, il a fait pousser la barbe. Non, mais Ishmael, l'autre tzadik. Ishmael, il a pris conscience, c'est quoi sa place? Sa place, elle est tafel à Yitzhak. Tiens, t'as fait la Yitzhak, alors toi aussi. Tiens, t'as dit que tu peux être Nikvar avec aussi avec tes ancêtres. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend conscience, qu'est-ce qui est le Ikar, qu'est-ce qui est le Tafel, il transforme le Ikar, le Tafel en Ikar. Il transforme le secondaire en essentiel. Par contre, s'il veut qu'il soit essentiel, alors Oved Mina Olam, Nevad Mina Olam. Baruch Adonai Le Olam, Amen, Ve Amen.